Hey, salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors, cette journée? Je sais pas quoi choisir. Monsieur le directeur de l'école de médecine, monsieur le vice-directeur, madame la directrice opérationnelle, je vais faire un discours extrêmement long, en 3 minutes. Premièrement, j'aimerais remercier la direction de l'école de médecine, le rectorat, pour le soutien qu'ils apportent à notre faculté, pour le travail continu, finalement, qui est fait avec un nombre impressionnant d'étudiants et des développements qui sont majeurs. Deuxième point sur lequel j'aimerais m'attarder très peu de temps, mais vraiment du fond du cœur, c'est de s'adresser aux familles. Familles qui aimaient vos enfants qui sont présents, les conjoints qui supportent les conjointes et vice-versa. Ces années que vous avez passées sont difficiles, elles sont rudes, et vous avez réussi, grâce à l'amour qui vous est porté, le soutien de votre entourage, et bien vous êtes là ce soir, et j'aimerais peut-être en votre nom les remercier chaleureusement, et je souhaite qu'on les applaudisse. Petit mot aussi, j'ai rencontré ce soir déjà quelques collègues, professeurs, vice-recteurs, patrons de grands services. Et j'aimerais leur dire à ces médecins, professeurs, gardez la barre très haut pour vos enfants, de telle manière à ce qu'ils puissent non pas passer par-dessus, mais passer par-dessous la tête haute. Finalement, j'aimerais m'adresser à vous, chers étudiants. C'est un moment extrêmement important, c'est une étape, c'est votre premier titre académique. Vous êtes maintenant réellement reconnu par la faculté, par vos pairs, comme ayant reçu quelque chose qui est important, un baccalauréat. Et réellement, je vous en félicite parce que je pense aussi parfois, et on en discute de temps en temps avec la direction de l'école de médecine, avec le rectorat, les critères de sélection, le nombre d'étudiants en première année, vous posent problème, nous posent problème, nous sommes visibles dans la presse, et il n'y a pas de bonne solution à ceci. La liberté académique, la liberté laissée aux gens de pouvoir entrer comme étudiants, pouvoir embrasser une carrière, et l'autre difficulté, c'est le nombre de personnes et les sélections qui sont faites, qui sont rudes, avec ces mélanges et ces difficultés que vous avez surmontées. Et réellement, du fond du cœur, je vous en félicite. Vous n'êtes pas une élite, mais vous avez réussi à passer au travers d'éléments extrêmement complexes. Vous avez travaillé, vous êtes donné votre temps, vous avez donné votre cœur, j'espère pas trop de votre santé pour arriver où vous en êtes, mais réellement, c'est un magnifique progrès et je tiens à vous féliciter. Je terminerai pour vous dire que vous êtes étudiant en médecine, mais vous êtes au sein d'une université qui est beaucoup plus large que la médecine. Nous avons une faculté de biologie et médecine. Vous avez vu sa complexité avec les formations d'infirmières. Vous avez vu la complexité qui est la nôtre, mais tenons compte des autres facultés qui nous aident à grandir ensemble, à construire des savoirs communs et tenter de les transmettre. Vous êtes dans la phase d'apprentissage, ça ne dure pas très longtemps. Vous allez être dans la phase de la création et soyez fiers de vous. Je vous remercie, je vous souhaite de belles fêtes et réellement, soyez fiers de vous. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du Bureau des Alumni, j'aimerais moi aussi vous adresser toutes mes félicitations pour ce diplôme que vous êtes venu chercher ici ce soir. Ce premier diplôme universitaire fait de vous un membre du réseau Alumnil qui regroupe les diplômés des 7 facultés de l'Université de Lausanne. Inutile pour moi de vous le présenter, vous allez le découvrir dans le film qui va suivre. Alors peut-être que ce soir vous ne voyez pas très bien l'utilité de faire partie de ce réseau, c'est normal, vous avez bien d'autres préoccupations. Mais sachez qu'on n'oublie jamais l'institution qui nous a formés, et qu'on peut parfois éprouver un brin de nostalgie pour ces années d'études.
Donc, pour maintenir le lien, recevoir des nouvelles et un jour partager votre expérience, il suffit d'avoir une adresse mail à jour dans votre profil sur le portail Alumnil. Je vous l'ai dit, ce réseau s'adresse à tous les titulaires d'un diplôme de l'Université de Lausanne, pour autant qu'ils soient vivants et motivés. Donc, s'il se trouve dans cet auditoire des parents diplômés de l'UNIL qui éprouveraient un brin de nostalgie pour leurs années d'études, qu'ils n'hésitent pas à demander leur adhésion à ce réseau, c'est gratuit. J'en ai terminé, j'espère avoir un jour le plaisir de vous accueillir dans le cadre de l'un de nos événements et je vous souhaite plein succès pour votre avenir. Merci. Vous êtes diplômé de l'Université de Lausanne ? Alors rejoignez le réseau Alumnil. Il vous permet de revoir vos camarades d'études et de constituer un réseau personnel et professionnel. Je crois que le réseautage, les rencontres en général, sont les meilleurs déclencheurs de nouvelles opportunités. Ce que j'apprécie, c'est de revenir à l'Université de Lausanne, voir participer à plein d'événements. Quand on est à l'université, en fait, on se dit, bon ben, on se réjouit d'en sortir. Et puis, puis après, il y a toujours l'effet un peu nostalgie. Ça fait toujours plaisir de se remémorer les événements qui ont marqué nos vies d'étudiants. Le réseau des diplômés de l'UNIL organise pour ses membres des rencontres, des conférences et des ateliers emploi. Les événements sont très orientés, en fait, échange, partage. Mais c'est chaque fois très varié, très pertinent, très intéressant. C'est l'occasion de savoir ce qui se passe dans la science aujourd'hui. Et avec le prix Nobel Jacques Dubochet qui était là aussi, toute cette émulation de savoir, de connaissances. Il y a de la soirée annuelle où c'est l'occasion de revoir vraiment énormément de gens. D'être en fait en contact avec des personnes qui ont terminé il y a 2 mois comme il y a 30 ans, puis de partager, de beaucoup rigoler. On est accueillis vraiment comme des VIP et traités comme des VIP dans ce réseau. En plus de tout ce qu'on peut y apprendre, en plus des visites, des conférences. L'appartenance au réseau Alumnil est gratuite et automatique pour tous les nouveaux diplômés et sur demande pour les plus anciens. Vous bénéficiez d'un profil personnel sur le portail web privé qui réunit plus de 25 000 diplômés de l'UNIL. Il vous sert par exemple à réseauter et à accéder à des offres d'emploi sélectionnées pour vous. Ça permet de créer des liens professionnels. Il est intéressant de voir comment les jeunes diplômés d'aujourd'hui travaillent, étudient. C'est vrai qu'aujourd'hui, les parcours sont très variés. On peut avoir, par exemple, 5 carrières en une vie. Donc le réseau Alumnil, c'est de s'enrichir du parcours des autres. Et si vous partez à l'étranger, le réseau Alumnil peut vous mettre en contact avec une centaine de personnes relais dans plus de 80 villes à travers le monde. Pour moi, ça reste un réseau international, mondial, et c'est une force pour l'Université de Lausanne. Appartenir au réseau Alumnil, c'est la meilleure façon de cultiver votre curiosité et maintenir votre savoir vivant. Si je devais résumer le réseau Alumnil en un seul mot, ce serait s'enrichir. Partage de connaissances. Réseautage. Gardez le souvenir de vos études. Pour moi, c'est la rencontre. Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le vice-recteur, bonsoir Monsieur le doyen, bonsoir Madame la vice-directrice de l'école de médecine, Monsieur le vice-directeur de l'école de médecine. Bonsoir à vous toutes, chères étudiantes, à vous tous, chers étudiants. Bonsoir à vos familles, bonsoir à nos collègues, à nos amis. Et j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie tout à fait symbolique, qu'au sein de l'école de médecine, on apprécie beaucoup. Alors, c'est vrai que ça tombe toujours à un moment assez particulier, en fin d'année, de manière assez symbolique, et quelques jours avant Noël. Et vous remarquerez que cette année, on a choisi un nombre assez symbolique aussi, le 19-12-19. On a fait pas mal d'efforts. Et en fait, on aurait peut-être voulu faire ça encore plus proche de Noël, le 20. Mais le 20, c'est les nocturnes, donc c'était un peu compliqué, on n'aurait eu personne. Et le 23, en fait, tout le monde sera à Verbier, donc ça n'allait pas non plus. Donc, on vous accueille avec beaucoup de plaisir ce soir, et je commencerai peut-être un peu par la fin, par quelques remerciements. Et je dois remercier sincèrement
tous mes collègues de l'école de médecine qui, pour une grande part, sont là ce soir, qui ont participé à toute la mise en œuvre de cette cérémonie. Et je leur en tire mon chapeau, surtout à ceux qui ont dû attendre mes quelques diapositives jusqu'à ce matin, assez tardivement, alors que le délai était il y a 3 semaines en arrière. Voilà, alors je vous accueille bien volontiers. Non, pas encore pour l'apéritif, il viendra tout à l'heure, mais pour une période assez symbolique. Le doyen le rappelait tout à l'heure, c'est votre premier titre académique. Vous allez recevoir ce soir un bachelor, et on peut se poser la question de savoir, par ailleurs, à quoi ça sert. Alors là, vous en êtes à mi-chemin. On peut en prendre pas mal de métaphores, d'analogies. Certains ont dit effectivement le verre à moitié plein, d'autres que c'était un grand voyage, que vous arriviez à un camp de base au terme bientôt d'une grande ascension. Ça dépend un tout petit peu du sport qu'on pratique. Pour moi, j'avais choisi il y a quelque temps le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Je ferai juste une petite citation. Vouloir arriver, c'est avoir fait déjà la moitié du chemin. Eh bien, vous avez fait la moitié du chemin, et j'en suis sûr, vous y arriverez très bientôt. Je vous donne déjà rendez-vous. Alors ce soir, peut-être juste se remémorer une période, 2016-2019, pour la grande majorité d'entre vous, eh bien, vous avez commencé vos études autour de 2016, et puis on a maintenant ces 3 années de bachelor. Alors, c'est une période assez symbolique pour vous, c'est une période assez symbolique aussi pour la direction de l'école de médecine, puisque le vice-recteur Zanetti, ayant décidé de quitter l'école de médecine en 2016, eh bien, nous a laissé la direction, tâche pour le moins intéressante, mais il avait eu la grande délicatesse de nous laisser le vice-directeur Regazzi, qui est là ce soir et à qui on doit beaucoup dans toutes ses connaissances accumulées ces dernières années. Et puis, en fait, pour remplacer le vice-recteur Zanetti, il a fallu 2 personnes, la vice-directrice Vereste Junot et moi-même. Donc voilà la dimension du vice-recteur. Alors voilà, 2016-2019, on va entrer un peu dans le vif quand même. Eh bien, on vous a pas mal harassé ces dernières années avec des programmes de B1, de B2 et de B3 qui n'étaient pas toujours faciles. Et voilà un peu dans l'état, c'est une photo que j'ai prise dans un auditoire, l'état dans lequel on vous a laissé. Donc vous étiez un peu hors du temps, vous étiez hors du monde. Et ma mission pédagogique ce soir, c'est quand même de vous rappeler un peu ce qui s'est passé dans le monde pendant ce temps-là. Alors, commençons logiquement par 2017. 2017, ça vous rappelle des choses ? Dites-moi, ça vous rappelle des choses ? Voilà, j'essaie de faire un cours interactif et il n'y a rien qui se passe. Voilà, c'est de nouveau pour ma pomme. Bon, il y en a quand même qui ont eu 20 ans en 2017, ou bien 40, peut-être 50, pas plus, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2017 ? Je suis sûr que vous êtes sûr que le président des États-Unis, c'est encore Obama. Eh bien non. Et non, c'est plus lui. On nous a mis un bulldozer à la place, dont on entend parler assez régulièrement. Je pense que vous en avez encore entendu parler hier et aujourd'hui. Eh bien voilà, le monde change. Et en France, alors ? Eh bien non, c'est plus notre motard Hollande. C'est un autre, un jeune premier, qui a le geste un peu papal et qui essaie peut-être de se prendre un tout petit peu pour le saint, si ce n'est pour James Bond. Qui, lui, qu'est-il devenu ? Eh bien, lui a disparu, le temps a passé et malheureusement, James Bond a disparu. Alors, il nous faut toujours une figure un peu identitaire, un nouveau James Bond. L'a-t-on trouvé ? Peut-être. Un chef d'orchestre ? Un prédicateur ? Non, vous l'avez reconnu ? Eh bien, c'est lui. C'est celui qu'on utilise pour la publicité Ricola. Entre-temps, qu'est devenue la science ? Est-ce qu'il s'est passé des choses dans la science ? Eh bien, oui, des choses se sont passées. Et voyez ce jeu de construction
que certains auront sous le sapin de Noël. En fait, on aimerait pouvoir décrocher des pièces hein, quand le cerveau est un peu fatigué, le remplacer. Et en fait, ce qui était de la science-fiction commence à devenir réalité puisqu'un groupe de San Diego a, dans un embryon de cochon, mis des cellules souches humaines, ce qui a été appelé un cochon hybride. Voilà, ça c'est l'avenir. Vous avez certainement entendu parler aussi d'autre chose. CRISPR-Cas9, alors ça c'est pas 2017, c'est 2012 déjà, mais en 2017 on nous annonçait qu'un Chinois avait réussi sur cette base-là, avec un ciseau génétique, à produire des jumeaux. Et voilà, c'est le début d'une nouvelle science-fiction. Et puis il y a des choses que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas, les muons. Les muons, vous avez peut-être entendu parler, ces muons, ce sont une sorte de particules qui traversent les murs, et grâce à ça, on arrive à voir qu'il y a du vide dans la pyramide de Gizeh. Et je vous prédis déjà le retour de Harrison Ford dans les mois qui viennent. Voilà pour 2017, grossièrement. 2018, alors 2018, je pense que vous vous en souvenez, c'est un peu la nouvelle époque Netflix, c'est un peu la loi des séries, les histoires sans fin. La première, c'est aussi une histoire un peu d'hybride. C'est un hybride entre un politicien et un gilet jaune. Et en fait, c'est une histoire sans fin parce que, voilà, ça dure, on pense qu'il va partir. Non, il est toujours là, hein, ayez confiance. Et puis, il va disparaître. Eh bien, non. Je pensais qu'il allait disparaître. Non, il est toujours là, il est encore là, et de plus en plus sérieux. Et lui aussi, vous allez encore en entendre parler. Je parlais tout à l'heure du cochon hybride. Eh bien, 2018 nous l'a montré aussi. Et puis, avec pour un producteur, disons, la manière de se montrer à l'affiche de plus en plus. Et heureusement que d'autres ont réagi à ces mauvais agissements. Finalement, 2018, est-ce que c'est l'effet CRISPR-Cas9, deux jumelles ? Non, c'est politiquement incorrect de le dire. Là, c'est un jour historique. Et je pense que, mesdames, messieurs, vous vous en souvenez, cette date du 5 décembre 2018, pardon, qui a permis à deux femmes d'être élues au Conseil fédéral. Voilà un peu pour le contexte mondial. Sur le plan pédagogique, je pense que c'était important de vous rappeler ces hauts faits. Et pendant ce temps-là, à l'école de médecine. Alors l'école de médecine 2016-2019 n'est pas restée inactive. Si d'un côté le monde a vu la bohème s'éteindre, eh bien d'un autre côté, à l'école de médecine, le bohème est en pleine activité. Et le bohème, c'est notre réunion hebdomadaire pour traiter de tous les sujets et de toutes les nouveautés auxquelles on vous soumet. Si l'Italie a pleuré ses ponts et ses compatriotes, eh bien, l'école de médecine, elle, a mis en place une passerelle. Et c'est un moment symbolique aussi, puisque cette nouvelle passerelle a connu, non pas son premier bachelor pour ceux qui y ont participé, 10 de cette volée ont participé à cette passerelle, n'obtiennent pas un bachelor puisqu'ils n'ont pas fait l'entier des 3 années avec vous, mais ont la possibilité de passer en master, et c'est un moment pour nous qui est important. Et puis, je dirais que si le climat perd son crédit, l'école de médecine, elle, en a acquis, puisqu'elle a reçu, et oui, vous faites partie d'une école de médecine, du filière médecine, qui est accréditée, et pour un petit moment, puisqu'on est accrédité jusqu'en 2025. Et pour finir, voilà un peu de néoclassicisme, avec le monde aussi qui se cherche une égérie et qui, je pense, l'a trouvé, avec un investissement que d'aucuns prédisaient avant elle, et je pense qu'il aurait peut-être déjà à cette époque fallu l'écouter un tout petit peu plus. Donc d'un côté, on recherche un profil identitaire à cette lutte contre le climat, et l'école de médecine, elle, cherche un profil identitaire pour ses futurs médecins. Et Profiles, le nouveau référentiel des objectifs d'enseignement et d'apprentissage, est quelque chose qui n'est plus du domaine de la science-fiction, comme vous le savez, mais qui est en cours maintenant de mise en place. Et ces formes, il faudra commencer gentiment à les connaître. Pourquoi ?
parce que votre finale 2022 sera sous le coup des objectifs d'apprentissage liés à Profiles. Alors voilà, vous allez recevoir aujourd'hui, chères étudiantes, chers étudiants, un magnifique bachelor, et je vous en félicite. Vous allez vous lancer maintenant, vous avez commencé, dans le master, et je vous donne d'ores et déjà rendez-vous dans 3 ans, aux alentours de mai 2023, où nous prendrons le temps de ressortir en grec, s'il vous plaît, le serment d'Hippocrate, pour mettre encore un tout petit peu plus de solennité dans ce futur événement. Donc voilà, depuis 2016, le monde change, l'école de médecine aussi, elle change pour vous, elle change surtout avec vous, et là aussi je dois remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé d'une manière ou d'une autre. On verra tout à l'heure et on entendra le président de l'AML avec qui on a beaucoup collaboré aussi pour adapter les choses et faire en sorte que votre cursus soit le meilleur possible, tant sur le plan de vos apprentissages que sur le plan de cette période de vie qui évidemment restera pour vous quelque chose d'essentiel. Pour l'heure, je pense qu'il est temps d'être définitivement heureux et de vous remettre, chères étudiantes, chers étudiants, l'élément pour lequel vous êtes venus ce soir, votre bachelor, et pas seulement pour l'apéro. Merci beaucoup. Voilà, alors j'aimerais juste vous dire qu'on va procéder en 3 parties. 3 parties de remise des diplômes, où, à tour de rôle, les membres de la direction de l'école de médecine vont se succéder pour appeler les récipiendaires du diplôme, et avec chaque fois quelqu'un qui lit les noms, je vais commencer, et quelqu'un qui remet les diplômes, c'est le professeur Egazzi qui va les donner. Et on va faire un petit tournus comme ça, entre deux, il y aura un petit peu de musique, il y aura 2-3 animations. OK pour vous? OK. Alors, on y va. J'ai encore une télécommande. Non, c'est plus moi qui dirige, finalement. OK. Tant pis. Alors, voilà. Donc, j'aimerais appeler, pour commencer, M. Mathieu Abbé. À qui je demande de rejoindre le professeur Regatti pour obtenir son bachelor, s'il est là. OK. Alors... Continue. Alors, Madame Nadine Abid. Madame Margot Ashtari. Madame Margot Affolter. Madame Joud Alkar. Monsieur Gabriel Alves da Silva. Madame Anastasia Amblas. Monsieur François André. Madame Isaline Bachmann. Madame Myriam Bamogo. Monsieur Dominique Banto-Eckert. Madame Tiffaine Barbet.
Monsieur Michael Barbosa. Monsieur Joël Bourg. Madame Julia Beck. Monsieur Dan Becker. Monsieur Nicolas Béguin. Monsieur Émile Berend. Madame Sarah Bengalem. Madame Camille Bertossa. Monsieur Lucas Bise. Monsieur Marius Blanchard. Madame Sandra Bonvin. Monsieur David Borella. Monsieur Tanguy Borjo di Avoca. Monsieur Lucas Bosso. Madame Sabrina Bouaga. Madame Odile Burdet. Madame Émilie Burgener. Monsieur Jérémy Bourri. Monsieur Nuno Cabral Ferreira. Madame Morgana Caputo. Madame Nadia Cataneo. Madame Pamela Chaillet. Madame Alison Charmet. Madame Tiffaine Charmillot. Monsieur Henri Clavel. Madame Anna Coppola. Madame Elisa Korn. Madame Lara Cortellini. Monsieur Lorenzo Costa. Madame Rachel Cottier. Madame Lara Cotin.
Monsieur Alexander Koukos. Monsieur Thomas Curie. Madame Sonia Da Campo. Madame Diana De Brito. Madame Anna De Palma. Madame Lauriane De Pau. Madame Camille de Choulepnikov. Monsieur Martin de Laloy. Madame Fanny de Lesser. Madame Caroline de Moret. Madame Thelma Détra. Monsieur Antoine Devara. Monsieur Bill Dogan. Madame Laura Donnet. Madame Daphné Dohoma. Monsieur Yanis Dohomoun. Madame Pauline Ducrot. Madame Mégane Ducret. Madame Marie Dufour. Madame Virginie Dufresne-Pellerin. Madame Laurane Duprat. Monsieur Alain Ducet. Madame Marie Dutertre. Madame Kaliane Eap. Madame Nina Emery. Madame Justine Épinay. Monsieur Nicolas Erard. Monsieur Tanguy Espejo.
Madame Oriane Fankhauser. Madame Keria Favrebul. Madame Sofia Fernandez. Madame Clara Fleischer. Et Madame Laura Floquet, pardon. Voilà, en tant qu'en bon Bernois, en général, je suis lent. Là, je crois que j'ai été un tout petit peu trop rapide, je suis désolé. On a terminé la première partie de la remise des bachelors. Encore félicitations. Et là, je crois que je dois laisser place à un film, le film des étudiants. Et on se réjouit déjà. C'est vraiment un métier magnifique. On apprend à sauver des vies. C'est vraiment mais que des belles choses, que des belles choses. Hein. Ouais. Ah, tu t'es pris un truc à manger ? Ouais, je me suis fait plaisir. Bon, alors, pour cette première heure de cours, on va parler de la diarrhée aiguë. J'en ai quelques photos. Donc ça, c'est de la diarrhée. L'agne. Celle-là est plus mousseuse, ça c'est du bénin. Là on voit encore un peu de maïs. Là on est assis sur l'échelle de Bristol. Là, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Pour cette deuxième heure de cours, on va parler des vomissements chroniques. Je vous montre aussi quelques photos. Donc ça, c'est du vomi. Ça, c'est une hématémèse. Ça, c'est la passoire, à ne pas confondre avec une hématémèse. Là, on voit un peu de spaghetti, sûrement de l'omelette. Pour cette dernière heure de cours, on va parler des abcès dans les plaies ouvertes. On commence avec ces quelques photos. Ça, c'est du pu. Oh, mais là, putain c'est... Là, c'est une plaie qui sointe. Là, il y a du sang dans le pu. Là, il y a du pu dans le sang. C'est de moi que vous parlez ? Ah, après l'INCO, ça me reste que de trouver un tuteur pour les travaux de master. Je vais essayer avec Prof Spicy, qu'il paraît qu'il est très bien.
Prof Spicy, on a l'urgence, il faut aller opérer, vite! Attends, Dr. Gates, je dois répondre à l'étudiant master! Dr. Gabs, il y a un étudiant qui m'a écrit pour le travail master. Les jours, les semaines, les mois passent sans que l'étudiant en médecine reçoive aucune réponse. Mais tout au coup... Ich bringe heute einige Studenten mit. Wäre es in Ordnung für Sie, wenn Sie ihnen einige Fragen stellen? Ja, sicher. Wir sind Studenten aus Lausanne. Wäre es möglich für Sie, Hochdeutsch zu sprechen? Ah ja, natürlich. Vielen Dank. Also, was führt Sie hier heute ins Spital? Ich hatte sehr starke Bauchschmerzen und ich musste mich auch mehrmals übergeben. Okay, ich vermute eine Appendizitis bei Ihnen und ich würde vorschlagen, dass wir noch ein paar Abklärungen machen. Sehr gut, ich habe genau an dasselbe gedacht. Gratulation. Grüezi, Wolfgang Sternemann. Ich bringe heute ein paar Kollegen mit. Wäre es okay, wenn Sie Ihnen ein paar Fragen stellen? Ja, sicher. Können Sie bitte Hochdeutsch sprechen? Ja, klar. Vielen Dank. Und was führt Sie heute ins Spital? Ich habe heute Morgen mega viel Bauchweh gehabt und es war so krampfartig. Oh, Sie kochen Käschli. Chut, asseyez-vous. Vous avez une athérosclérose de l'artère interventriculaire postérieure provenant de l'artère coronaire droite sur réduction luminale de 73% due à une prolifération des cellules musculaires lisses suite à un dépôt de macrophages spumeux. Alors vous me dites que vous avez eu des rapports sexuels non protégés il y a 9 mois. Oui, exact. Suite à ça, vous avez pris du poids, vous mangez pour deux, et vous avez des nausées. Et vous ressentez également des micro-mouvements, vous me dites, dans votre ventre. Oui. Ok. Je vais vous annoncer que vous êtes atteinte d'obésité. Ah bah c'est super, moi qui pensais que j'étais enceinte. Merci beaucoup, docteur. Je vous conseille de jouer au loto, vous allez gagner cette semaine. Oh. C'est tellement joli. J'espère trop on va aller au loto. Bonjour, c'est pour l'ELM. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. 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 C'est top, c'est la première fois que je vois tant de filles dans un groupe. Bonjour pour les ELM. Bonjour. Mais vous êtes que bonjour. Des filles. Bonjour. Ah mais du coup ça vous concerne pas. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Examen de médecine, expectations. Bonjour. Bonjour. Chers élèves, bienvenue à l'examen de médecine santé communautaire. Je vous souhaite un bon examen. Merci. Oh yes!
Reality. Bonjour, on attend 8h pile, comme ça on termine à midi pile. Tous les téléphones au fond de la salle. C'est 8h pile, bon examen. Moi j'ai pas de crayon. Communication, un collègue m'a justement fait remarquer qu'il y a une erreur de l'examen. Dans le cahier A, la réponse 54 est inversée, dans le cahier G, c'est la... Say what? C'est midi, posez les crayons. Toi, pose les crayons. Je suis heureux de partir, Benito. Je peux ainsi, au cours de mes dures études, découvrir un nouveau système de santé, apprendre l'espagnol, mais surtout, représenter notre belle université. Hello, my name is Tanguy. Hello, Tanguy. Reality. Hello, my name is Tanguy. Oui. Tanguy. 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 NF kappa B. Tanguy.
vous des relations homosexuelles? Haben Sie gleich le Geschlechtsverkehr? Gleich le Geschlechtsverkehr? Gleich Geschlechtsverkehr? Est-ce que j'ose quand même vous demander ce que vous entendez par alimentation équilibrée? Bratwurst? Schnitzel? Apfelstrudel? Alors, puis votre douleur, comment est-ce que vous la décririez? Est-ce que ça presse, ou bien ça brûle, ou bien est-ce que ça pulse? Est-ce que ça irradie quelque part? Aïe! 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 Donc on sait que tu adores le paysage, mais c'est pas ce que t'as regardé aujourd'hui. Plutôt les panneaux. Ouais, voilà, aujourd'hui c'est un peu... À partir du 35e, ça devient très dur, faut dire, sur marathon. Mais en fait, je me suis mis une technique en place aujourd'hui. J'ai comparé le marathon à la médecine, en fait. J'ai divisé le parcours en 6. Et alors? Ben, du coup, en fait, ben, je calculais de 7 km en 7 km. Et je me suis dit, ben, les deux premières années, c'est comme la médecine, il y a tellement de pression qu'il faut tenir, on va à fond. C'était exactement comme ça, elles sont parties hyper vite, donc il fallait que je tienne. Après, ben, 3 et 4, ouais, ben, on se relâche un peu, quoi. Enfin, on est dans cette zone de confort. Maintenant, je suis au 4e, donc voilà, on prend l'habitude. Après, on me dit que la 5e, c'est horrible. Et c'est vrai que jusqu'au 35e kill, là, quand on sort de ES, c'est horrible. En plus, ils ont enlevé un ravito, je crois. Ça m'a un peu, voilà, je suis là, ouf. Bon, ben, voilà, voilà, la 5e année, ben, tu verras l'année prochaine. Hein. Et la 6e, je suis là, bon, c'est la 6e. De toute façon, après, il reste le sprint final, c'est l'examen final. Donc, jusqu'au 42, ben, tu tiens cette 6e. Et après, tu feras ton examen, quoi. Et ben, voilà, ça a été comme ça aujourd'hui. Extraordinaire. On te souhaite plein d'études de médecine. On te souhaite plein d'études de médecine. Plein d'études de médecine. Plein d'études de médecine. Merci beaucoup. À succès. Merci. Voilà, donc on va ouvrir cette deuxième partie de remise des diplômes. Alors, j'appelle Monsieur Andrea Fontana. Qui n'est pas là. Alors, Monsieur Paolo Francioli. Madame Bérénice Fricart. Madame Morgane Frischertz. Madame Marie-Pauline Frossard. Madame Elisa Galdini. Madame Déborah Gavin. Monsieur David Gervasoni. Madame Céline Guidoni. Madame Nicole Gisleri. Madame Sandrine Gigandet. Madame Lucie Glaiseau.
Madame Flora Gobet. Madame Marie-Louise Goertler. Madame Léa Goffinet. Madame Stéphanie Gonvert. Madame Gaïa Grigorov. Monsieur Nolan Grain. Madame Laurence Grivel. Madame Johanna Grossrieder. Madame Vittoria Guareschi. Madame Léa Guarino. Pardon. Madame Noémie Gugisberg. Madame Floriane Agon. Madame Caroline Hall. Madame Meriem Haroud. Madame Jade Heineke. Madame Larina Herman. Madame Justine Hiro. Monsieur Zoltan Orbert. Madame Garance Horis Berger. Madame Diana Hubert. Monsieur Xavier Jacquot. Madame Clémence Jacquet. Monsieur Adrien Jaillet. Madame Nour Gérard. Madame Stéphanie Jolibois.
Madame Vishnuga Kanagaratnam. Madame Champavi Kanan. Madame Manon Carlen. Madame Léane Kahn. Madame Fanny Kneus. Madame Jessie Coller. Madame Dilsa Körpe. Madame Kristina Kovalevskaya. Monsieur Olivier Krajewski. Monsieur Lukas Kreis. Madame Alexandra Kunz. Madame Graciela Leite Costa. Monsieur Luca Lorusso. Madame Celia Maillard. Madame Maria Grazia. Madame Xenia Marais. Monsieur David Margera. Monsieur Cyril Marietto. Madame Christiane Marquez. Madame Tania Martinez. Monsieur Ruben Martinez Fernandez. Madame Héloïse May. Monsieur Yanis Mazza.
Madame Juliane Messer. Madame Claire Meuvely. Monsieur Julien Meyer. Monsieur Arnaud Mélan. Monsieur Gorgin Mir Iravani. Madame Julie Meucli. Monsieur Youri Monnier. Monsieur Phileas Monteventi. Monsieur Kevin Moser. Madame Nina Mouakseri. Madame Alma Mucinovic. Madame Nicole Mourtas. Madame Xenia Marais. Ah non. Alors, je ne suis pas sur la bonne feuille. Ben voilà. Alors, on clôt maintenant ce deuxième moment de remise de diplôme et je cède la parole à votre délégué de volée. Monsieur Alexandre Valmeyer. Ouh. Alors, on va déjà ouvrir ce paquet. Voilà. Ok. Bonsoir à tous. Chers professeurs, chère famille, mais par-dessus tout, chers camarades. Quelle joie d'être ici ce soir. Nous voilà enfin réunis dans cet auditoire où nous avons fait nos premiers pas, où nous avons passé, ou j'aurais envie de dire, avons survécu à notre première année. Quelle fierté d'être honorés et salués par notre belle université, et ce après l'ensemble des efforts fournis ces dernières années. Ce soir, on obtient notre bachelor en médecine humaine. Quelle classe! Vous savez, obtenir un bachelor en médecine, c'est quelque chose. On a l'impression de rentrer gentiment dans cette profession médicale aux contours si mystérieux, de tendre lentement vers un savoir et un art particulier. Mais rien ne presse, car d'ici à ce qu'on ait notre FMH, on sera sans doute plus proche de la retraite que de notre première année. Je crois qu'il y en a certains ici qui voient ce que je veux dire. Elle était facile. Pour vous donner une autre image, avoir un bachelor en médecine, c'est un peu comme réussir son permis théorique. On est vraiment content de l'avoir passé, on a déjà engrangé passablement de connaissances, on apprend à faire une réanimation cardio-pulmonaire, qu'on oublie quelques temps après, mais en soi, on ne sait toujours pas conduire et on sait que le plus dur reste à venir. Pourtant, ce qui est assez amusant est que dès la première année, on nous approche comme si on détenait déjà un certain savoir médical, alors que nos connaissances servent plutôt à résoudre les diverses théories de la physique quantique que de sauver des vies.
Mais heureusement, avec le temps, les notions de clinique viennent et on nous apprend à exécuter des gestes dont on ne sait pas vraiment à quoi ils servent et qu'en général, on les apprend le soir juste avant l'examen pratique qui s'appelle l'Écosse, pour ne pas passer pour des ploucs devant les experts. Puis vient le moment où nos connaissances cliniques commencent carrément à nous faire douter sur notre propre santé. Et je sais de source sûre que parmi nous, on est plusieurs à être devenus un peu hypochondriaques avec le temps. À tel point qu'on commence à se palper le thorax avant de dormir, juste pour vérifier qu'on n'est pas en train de faire une insuffisance cardiaque. Et j'ai carrément un bon ami à moi, étudiant en médecine aussi, qui a terminé une fois aux urgences à 3h du matin, car il s'était juste ouvert le doigt avec une petite brique de verre. Pour que vous voyez un peu plus qui est cette personne, je vais vous dire que cette personne est en fait l'ancien président de l'AML, l'ancien président de l'Association des étudiantes en médecine de Lausanne, de l'année passée. Je pense du coup que vous voyez de qui je veux parler. Mais rassurez-vous, heureusement, la gentille médecin assistante l'a rassuré en lui disant « Mais mon cher monsieur, il n'y a pas moyen de paniquer. Vous allez pouvoir devenir chirurgien malgré cette petite entaille dans votre doigt. » J'espère que les futurs patients, enfin mes futurs patients, n'entendront pas ce que je suis en train de dire. Mes chers camarades, j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour repenser à tout ce que nous avons vécu. Cela fait maintenant 3 années que nous vivons tous ensemble, suivons le même chemin, ressentons les mêmes émotions et vivons les mêmes expériences. On ne peut dénombrer le nombre d'heures où nous avons partagé nos repas, nos cafés, nos révisions. Ok, peut-être pas 250 tous ensemble, tout le temps en même temps. Mais vous m'avez compris. Repensons à ces centaines de milliers de slides que nous avons dû ingurgiter et intégrer, à ces heures au chevet des patients, à ces moments d'intimité intense, nous sommes enfermés 3 à 4 heures avant le fameux examen qui est l'Écosse. Et tant qu'on parle d'examen, rappelons-nous aussi ces examens QCM, aux questions soigneusement choisies et rédigées, et qui ciblent ce que tout bon clinicien se pose comme question au quotidien. Ces 3 années sont passées réellement vite, et je pense qu'on se rappelle tous de nos premiers jours ici même, où nous sommes passés d'une petite classe de gymnase à un auditoire bondé de plus de 700 personnes, tellement bondé que chaque matin, c'était un peu le branle-bas de combat pour choper une place 1h30 avant le début des cours. Et heureusement, nous avions droit à des moments de divertissement, comme par exemple quand l'alarme de ce bâtiment retentissait pour la 500e fois parce que la cafétéria avait fait cramer une de leurs délicieuses pizzas. Ou encore quand notre fameux prof de chimie organique venait dans l'auditoire pour poser des questions et qui en général finissait plutôt par une annonce d'anniversaire. J'ai d'ailleurs appris que MTV l'avait contacté pour participer à l'émission Mon incroyable anniversaire, et je suis vraiment content pour lui. Puis nous avons grandi. Nous avons pris quartier dans cette grosse institution qu'est le CHU, dans ces auditoires, où j'aurais envie de dire, la lumière du jour est aussi présente que nous depuis la 3e année. Et on se souvient tous des débuts de 2e, où on entend encore ces charlatans d'ex-3e année nous dire « Mais panique pas, gros !» À partir de la 2e, c'est chill. Blague à part, de ces trois années, nous pouvons en retirer que des bons souvenirs. À commencer par toutes ces belles rencontres, ces amitiés, parfois ces amours qui se sont créés, mais aussi ces moments de rire, de joie, de fête, et ce via des événements comme nos week-ends de ski, où les litres descendent un peu plus vite que les pistes, mais aussi via notre merveilleux voyage de bachelor à Bruxelles. Sans oublier l'ADN, dont les médias ont enchanté les louanges il y a quelques années, et dont avoir le visage de certains, dont moi-même, enfin vous m'avez compris. Il y a eu aussi notre week-end d'intégration à Charmey, où lors de ce début de 2e année, nous sommes tous et tous rencontrés. Et d'ailleurs, j'ai reçu un message tout à l'heure du concierge de l'établissement qui m'a dit qu'il avait enfin réussi à effacer le gros dessin qui avait été fait à l'entrée du bâtiment. Mais de plus, je trouve que nous pouvons être sincèrement fiers de ce que nous sommes, des efforts que nous donnons dans nos études, mais également pour tout ce que nous faisons en dehors. Comme avec ces moments artistiques où les plus talentueux d'entre nous s'exprimons à travers de la musique, ou encore via des spectacles, typiquement lors du spectacle Plafond, et vous verrez d'ailleurs un échantillon tout à l'heure, ou encore au niveau sportif, où nous avons la joie d'avoir parmi nous la championne du marathon de Lausanne, ainsi que d'avoir une équipe de foot FC Sûr qui a fini première au tournoi de foot l'année passée. Et pour terminer,
Il est admirable de remarquer les multiples associations que nous entretenons et qui touchent à divers domaines de la santé et dont la portée ne se limite pas qu'aux frontières de la Suisse, mais atteignent carrément d'autres continents. Ces études sont longues, certes, et heureusement, nous pouvons compter sur passablement de soutien, à commencer par nos familles. Et je me dis que si nous avons de quoi être fiers ce soir, imaginons ce que ceux qui nous ont conçus et aimés depuis notre tendre enfance peuvent ressentir ce soir. Mais nous pouvions également compter sur le soutien de nos amis, d'ailleurs et d'ici, sur le soutien en camarades de volée, que ce soit pendant les cours, au pause café ou à la bibliothèque, à essayer de comprendre pour la énième fois le polycopier sur la physiologie générale, ou encore quand ton bon pote te prend l'épaule juste avant l'examen et te fait comprendre que lui non plus n'a pas révisé la pharmacologie. Et en effet, ces études, nous voyons de tout, et nous avons peut-être une fâcheuse tendance à sortir rapidement nos gilets jaunes pour nous plaindre de tout et de rien, mais ayant eu l'opportunité l'année passée de voir tout ce qui est fait pour que cette école prospère et évolue, je pense que nous pouvons sincèrement remercier notre faculté, notre école de médecine, ainsi que les professeurs qui la composent, pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Encore un tout grand remerciement à ces derniers qui nous ont transmis leur savoir, leur passion, leur temps, pour faire en sorte que nous devions les plus beaux médecins du monde. Puis enfin, un immense merci à nous, à nos familles, ma chère Velée, mes chers amis, je me suis oublié, pour ces 3 années passées à vos côtés, remplies de moments inoubliables, et je pense que nous nous réjouissons toutes et tous de passer le reste de notre cursus ensemble, dans cette grande famille, que ce soit en auditoire, en hôpital ou ailleurs. Voilà. Merci, bravo encore, belle fin de cérémonie et belle soirée. Alors maintenant, j'ai le plaisir d'inviter sur scène le groupe de musique de notre volée, qui s'est intitulé ce soir « Bart, 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 forever, ever, ever ». Voilà, on a le plaisir de les écouter.
the best year. And while we're riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. Alors nous pouvons passer à la remise, la troisième partie de la remise des diplômes. Alors j'appelle tout d'abord Madame Marion Neyrou. Madame Elena Orita. Monsieur Matteo Eduardo Ortolini. Madame Ariane Otten. Madame Juliane Panatier. Madame
Monsieur François Panosetti. Madame Ariane Paoli. Madame Viviana Pereira de Carvalho. Monsieur Mathieu Pernet. Madame Aurélia Pic. Madame Léa Plata. Madame Tiffany Preta. Monsieur Loïc Quagliara. Monsieur Mathieu Racco. Madame Blanche Raymond d'Acuña Castel. Madame Maria Razic. Monsieur Nicolas Reymekers. Monsieur Dimitri Ray. Madame Alban Reva. Madame Luana Rittener Ruf. Monsieur Sirio Rivieri. Madame Mélanie Rocha. Madame Noémie Rowe. Madame Alexia Roux. Madame Mold Rovero. Monsieur Damien Rougli. Monsieur Kylian Ruscio. Monsieur Nicolas Salamin. Madame Hélène Salvader. Madame Floriane Savoie.
Madame Luana Shad. Madame Stéphanie Chiza. Madame Valentine Schnebeli. Madame Alice Schnur. Monsieur Johann Schwab. Monsieur Martin Sexig. Madame Lydia Slack. Monsieur Thomas Steinauer. Monsieur Yanis Steiner. Madame Shani Stockhammer. Madame Marion Tache. Madame Sarah Tadlaoui Brami. Monsieur Valérian Tanner. Madame Liane Tarazi. Madame Berivan Tass. Madame Zoé Tavernier. Madame Elisabeth Chalowski. Monsieur Luca Tolza. Monsieur Elio Torrigiani. Madame Simone Troxler. Madame Juliette Turin. Madame Victoire Turin-Houet. Monsieur Grégory Van Bignot. Monsieur Robin van der Linden. C'est juste.
Monsieur Nicolas Ver van Herle. Madame Céline Varin. Madame Cindy Vera Solis. Monsieur Timothée Vézin. Monsieur Victor Vicaro Prieto. Madame Yolanda von Wartburg. Madame Anouk Vuta. Madame Mathilde Vuillemier. Madame Juliette Vurlot. Monsieur Simon Walbaum. Monsieur Alexandre Waldmeier. Monsieur Gabriel Wamst. Monsieur Jules Weiler. Monsieur Yves Vinch. Madame Lucie Vuhemin. Madame Clémentine Zanetti. Monsieur Sage Tseziger. Désolé. Madame Morgan Zimmerli. Monsieur Marco Zizza. Madame Chiara Zollinger. Et Madame Sylvia Zuber. Alors, on va laisser la place au dernier intermède.